Salut à tous, une courte vidéo, je l'espère, sur la Nutix Maté 10.2. Nutix en version 10.2 est sortie très récemment. Voilà, donc là, je vous montre ça. Ce matin, j'ai vu ça sur DistroWatch. Je vous mettrai dans la description comme d'habitude. Voilà une annonce la sortie de version 10.2 qu'on peut mettre à jour depuis la 10.1. Bon. Et que je suis allé sur les notes de publication en français, étant donné que c'est une distribution francophone, c'est quand même plus agréable. Donc, là, tout le blabla habituel par rapport aux mises à jour de paquets, lien dans le descriptif comme d'habitude, bien sûr. Il y a l'option de voir un noyau 4618, oui, pourquoi pas. 3264 bits. On peut apparemment utiliser l'UEFI, pourquoi pas. Personnellement, je ne suis pas super fan de l'UEFI avec les bases LFS, mais bon. Support KDE5, GNOME, MATE, XMCE4, LXDE, FLWM, punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 14 environnements et je suis en train de supporter. Pourquoi pas? Donc là, il y a toutes les informations de mise à jour. Ils nous disent, par rapport à la version précédente, quelles sont les grosses modifications. J'espère par contre qu'ils sont trompés pour Firefox, parce que la version 58 commence à dater un peu. Peut-être qu'ils avaient commencé à faire une note de publication avant et que la période de publication a été plus longue prolongée. L'équipe actuelle est très restreinte et les mises à jour se feront probablement à un rythme plus lent. Oui, simple remarque, purement pratique. Si on restreint l'équipe, on restreint aussi peut-être un peu l'offre pour éviter de surcharger les personnes qui sont derrière. Moi, je veux dire, je dis rien. Ce serait plus logique. Bref. Donc, j'ai récupéré l'ISO Live Maté qui fait 1,63 Go. Voilà. J'ai mis une machine avec 128 Go de disque, 2 CPU et 2 Go de mémoire live. Avec Maté, il n'y a pas besoin non plus de sortir l'artillerie lourde. On est parti. Et avant, j'ai oublié de montrer. Voilà. C'est-à-dire que cette vidéo est sponsorisée par ce mug que j'ai acheté aujourd'hui même. Mettez-le en pause et vous verrez la grande portée philosophique de la phrase en question. Voilà. Ça, c'est dit. On est parti cette fois-ci pour de bon. Donc, on a soit l'installation, soit le live. On voit déjà ce nom de live. Ça nous aura déjà un aperçu de la version potentiellement installée. Donc, je vais prendre le français. Je tape sur web pour venir voir directement le français. Le clavier, c'est bon. Mieux vaut si on veut avoir du réseau. Ok. Ok, ok, ok. Ça fait penser un peu à la post-install de l'installation classique de la Nutix d'ailleurs. Pourquoi pas? Ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Donc, j'en live, donc j'ai rien à foutre des mises à jour automatiques. Donc, apparemment, c'est du 6V8 en dessous. Et là, il y a un petit bug qui est lié à LXDM. Si vous ne choisissez pas votre environnement par défaut, vous reviendrez sur LXDM. Je préfère l'IDM pour ça, mais ça dépend bien sûr de la disponibilité des équipes de l'équipe d'Analytics. Voilà. Les coups, les douleurs, ça ne se discute pas. Donc là, je me connecte et on va voir ce donne cet environnement Maté. Donc, le son, est-ce qu'il est supporté correctement? Vous avez la réponse. Donc, ok pour ça. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Oui, un classique, hein. LibreOffice Writer, ils avaient dit que c'était la version 6.03, je crois me souvenir, ou 0.02. Bon, c'est vrai que LibreOffice 6 a tendance à tellement bouger rapidement qu'on ne sait plus quelle est la dernière version disponible. C'est une version 6.03. Merci, le panneau d'information. Donc, ok pour ça. Internet, ils avaient dit une version 58. C'est quand même un peu vite, on est à 60 et sorti il y a quelques jours, une semaine à peu près. Et là, nous avons une version, ou une 59, ça va quand même mieux. Donc, ils n'ont qu'une petite version en retard. Mais c'est normal, la Firefox 60 est sortie il y a moins d'une semaine. C'est normal qu'il y ait un petit peu de délai. Ou une grosse semaine. Outils système, ok. Est-ce que cette fois-ci, CUPS se lance? Ok, doki. Donc, dead beef, ok. VLC, cheese. Ouais, donc on a à peu près... l'ensemble classique. Install Nutix sur your machine. What?
Est-ce qu'on peut installer directement depuis le... Oui, depuis la licence, on peut installer. Bon, mais ça m'évite de redémarrer. Donc, je cherche directement F au français. Une seule partition. Là, par contre, simple remarque, quand on avait des petits disques style maximum 128 Go, une partoche justifiée, mais dans ma machine, j'ai un monstre de 2 Tera, une partition pour router home, ça fait peut-être, ça pique un peu peut-être en cas de problème. Mais ça, chacun voit midi à sa porte. On va partitionner, CF disk. Je vais quand même mettre 4 Go de swap. Ça mange pas de pain. Ok, amorçable, voilà, nouvelle, 4 Go en swap. Et on sauvegarde. On sauvegarde, on écrit. C'est le problème, j'ai l'habitude d'avoir le CF disk. Ah zut, en français. Alors, quitter. Partition d'échange, on trouve. Alors, j'ai créé une partition d'échange. Je vais relancer le PC et installer directement parce que je pense qu'un installateur dans le live n'est pas super, super conseillé. On va lancer directement l'installation depuis le départ. Parce que alors, je vais créer notre partoche de swap, mais je ne l'avais pas trouvé. Bon. Donc c'est un bug d'installateur en interne. Ils ont essayé tout du moins. On a partitionné. Mais oui, pourtant j'ai une partition de swap. Quitter. Donc formater. Extended 4. Oui. On va installer un UTX. Donc là normalement ça prenait 30 secondes. Mais étant donné qu'il va copier sûrement tout le système, ça va bloqué aux alentours d'un certain temps, autour de 70%, ça va tendance à ralentir un peu, alors qu'on voit bien que les diodes du disque, comme vous pouvez le voir en bas de la fenêtre, là je pointe avec le curseur de la souris, vous voyez, ça gratte pas mal. Donc on va dire ça met quoi, 2 minutes pour s'installer. Mais c'est vrai parce qu'il n'y a pas uniquement la base, parce que si vous connaissez un peu Linux, vous savez qu'uniquement l'installation de la base, c'est on va dire, 25 secondes avec du vent dans le dos. Un ouragan dans le dos. Dommage qu'un installateur en live ne fonctionne pas. Au moins, il ne détecte tout du moins pas le swap. Et comme j'ai envie d'avoir quand même du swap activé dans l'installation, je ne cherche pas à comprendre. Je redémarre et je fais l'installation en mode classique. Au moins, le mode live, comme tous les lives, ça permet de voir la compatibilité du matériel avec l'offre logicielle. Ah oui, il gratte quand même. Hein. En tout cas, à première vue, ça perd l'air mal la session matée. Je vais voir si je peux la personnaliser comme je l'aime. Sinon, ben je le dirai. Je vais rester entièrement... Ah voilà, vous voyez, ça a mis quoi? 2 petites minutes bloquées sur 70%. Oui, je veux configurer l'amorçage, c'est quand même mieux pour démarrer la machine. Et là, on se retrouve avec l'écran habituel, création du compte utilisateur et compagnie. Par contre, il n'aime pas la MD64. Ouh, il n'aime pas la MDGPU apparemment. Ouh, qu'il n'aime pas ça. Ok... Oui, accepté, ok. Donc c'est bon pour l'heure. Et on recommence le bituel. Oui, là je vais mettre par contre mise à jour automatique. Même si on n'a pas, elles seront toujours présentes et activées. Et donc toujours le même problème avec l'XDM. Si vous ne sélectionnez pas une session, vous l'avez dans le pot potin. La preuve. Voilà, si vous ne sélectionnez pas de session, de session,
pas de session, de session, et bien ça fonctionne pas. Ça c'est le bug, un bug d'implémentation de l'XDL. Ou peut-être aussi que c'est un bug de la configuration de l'installation fournie par avec Analytics aussi. Donc apparemment nous avons Network Manager, je dirais. Cool. Donc même si certaines personnes vont gueuler, désolé les yeux, je préfère passer en TimeSound maintenant. Donc, Blue Submarine, et mes yeux le remercient. Voilà. Donc, par contre, le fond d'écran, oui, est assez un peu lugubre. Ça fait presque penser aux forêts scandinaves où les groupes de black metal viennent se perdre. Voilà, ça c'est dit. Petit clin d'œil culturel en passant. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui. Donc, ça c'est bon. Est-ce qu'on a l'ensemble ? Je sais pas pourquoi, même avec j'ai GVFS sur mon Arch Linux et je n'ai pas ces volumes qui apparaissent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un réglage du paquet GVFS dans Nutix. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, j'ai bien ma Freebox. Je n'irai pas plus loin, bien sûr, pour le respect de mes données privées. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Alors. Les jeux, ouais, on peut aimer ou pas. Personnellement, je suis pas super fan des jeux choisis, mais les coups et les douleurs. Alors, H-Top, il nous mange combien? On est à 600 mégas de consommé avec H-Top. Ouais, vu ce qu'il y a derrière, c'est normal. Donc, on a Dead Beef, on a VLC, très bien. Dead Beef, c'est pour les musiques MP3 et compagnie. Si vous recherchez quelque chose de plus puissant, deux versements Rhythm & Box disponibles. Voir Clémentine. Alors, FLCards, c'est le gestionnaire de, en écrit en FLTK. Je suis pas super fan de son ergonomie, mais bon. Je vais voir. T'es un GStreamer. Donc, c'est bon, on a tous les greffons GStreamer. Très bien. Si je veux Rhythm & Box, ben, je vais l'installer. Comme ça, au moins. Et là, sur le côté, vous avez les options pour installer XDE, Mate, LXQT, LXQT, Mate et KDE. Je ne suis pas super fan de l'interface de FLCards, je la trouve pas super parlante. Après les coups, les doigts, vous me direz, est-ce qu'on a Zip? Oui, on a Zip et Unzip, on a P7Zip aussi, très bien. Non, ça c'était un peu trop, oui. Steam c'était peut-être un peu trop tiré sur la corde. Donc, on a toujours Firefox 59, bien sûr, par définition, étant donné que l'ISO vient juste de sortir, ça m'étonnerait qu'il y ait des mises à jour entre-temps. Quoique. Donc, c'est toujours Firefox 59. Qui est en français, c'est très bien. Alors, ah oui, je vais faire un petit check. Alors, outils système, terminal maté. Donc on va faire un petit check. Et je crois que c'est Cards Update. Non, Upgrade. Ouais, par contre, c'est pas super lisible. On va profiter pour modifier le profil. Couleur, on va mettre... Ah, c'est ça. Voilà, c'est quand même plus visible comme ça. Ok. Bon, c'est sympa sinon, mais le problème, c'est que la Logitech est très petite. Liée à la petitesse de l'équipe. Ça peut être sympa, mais... je vais voir si on peut rajouter facilement GIMP. Sinon, c'est trop le cas. C'est quand même con que Nutix ne propose pas GIMP. Bon, GIMP est un peu vieux, mais la version 2.10 s'est en sortie récemment. Le temps qu'elle soit portée. Donc, si je lance mon ami GIMP... Oh, on a GIMP, quoi. On a un environnement qui est sympa. Bon, GIMP, bien sûr, en multi-fenêtre, c'est mieux en mono-fenêtre. Ouais, c'est plus pratique. Comme ça. Donc, on a GIMP, très bien.
On a quelque chose qui est sympa, mais est-ce que la Logitech n'est pas trop restreinte? Déjà que la Logitech de la Solus OS n'est pas extraordinaire, alors celle de la Nutix doit être encore pire, malheureusement, par rapport à la petite équipe et au boulot pour porter chaque paquet. Mais sinon, apparemment, mais c'est sympa. J'ai pris la version Mate, parce que Mate, c'est la vie. Ça, c'est un petit private joke à une personne qui se trouve sur le canal Discord de TechnoBap, qui comprendra. Donc la Cherry Tree, je crois que me souvenir que c'est un logiciel de mind mapping qu'on appelle ça. Voilà, prise de notes hiérarchisée. Ça s'appelle du mind mapping ou de l'heuristique, enfin tout ce style. Un nom un peu barbare. Voilà. Sinon, c'est sympa, mais pour les personnes qui aiment les trucs un peu geekesques, pour les barbus avec des plus longues barbes que moi, pourquoi pas? Mais personnellement, j'en ferai pas une folie. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal. C'est bien équipé dès le départ. Il y a quelques petits trucs que je tique un peu, surtout par rapport à l'absence d'une partition ROM, mais chacun voit midi à sa porte ici. Et je n'ai pas envie de lancer une guerre de geek par rapport à ça. Mais sinon, c'est sympa. Le seul point faible, c'est FL4, ce qui n'est pas extraordinaire. Et aussi, l'utilisation de LXDM qui est un peu chiante, parce que si on ne sélectionne pas d'environnement, on ne peut pas se connecter. Voilà! Donc vous avez VLC, la version 3, je crois me souvenir. Ouais, version 3. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais éteindre. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc comme je disais, mis à part le côté... Ça va pas s'éteindre. Ah si. Voilà. Mis à part le côté un peu restreint de Logitech, la LXDM qui est un peu chiant. Et l'installateur en live qui a tendance à partir un peu cacahuète par rapport au swap, c'est une distribution intéressante. Mais pour autant, c'est pas la distribution que je mettrais sur une machine pour la vie de tous les jours. Ne serait-ce que par rapport à la taille de la Logitech. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!